Salut tout le monde, c'est Ikous, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Fairy Tail. Donc Fairy Tail épisode numéro 8. Il me semble, ça doit être le 8, c'est un truc dans le genre. Donc, on va donc faire la suite des quêtes du nouvel arc, donc des Dolas. Mais avant, on va se prendre Mistogon, qui est donc un personnage clé des Dolas. Par contre, qui est Jellal, qui est... Donc lui, c'est Jellal. Et lui, c'est... Mistogon de Dessus. Merde, j'ai appuyé sur mauvaise touche, quel con. Ah mais non. Bon, avant tout, on va changer cette tenue de merde là. Qu'est-ce qui m'a pris du foot ça? Right. Ça. La tenue de Natsu, non merci, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Mais attendez. C'est pas moi. Pardon. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas des tenues normales pour notre très cher ouais, pour notre très cher Alors attendez. C'est ça sa tenue normale genre? Non, c'est pas possible. Oh, il est stylé comme ça. On prend ça. Ok. 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 Ah, il me stylé. Voilà. Mistogon en mode stylé. J'ai une doudoune. Alors. On va y aller donc. Oh putain, mais qu'est-ce qui me prend d'appuyer sur cette gâchette tout le temps? Voilà. C'est l'autre. En fait, B, voilà. Je veux la quête de Rambé, vraiment. Bon, alors. Voilà, donc on en était là, donc 3500, on va donc... Évidemment, changer notre équipe. On va prendre... Du perso au hasard. Du perso au hasard. Oh. Non, c'est le bon. Gambate. Ikuzo. Yarodama. On y va. Donc avec notre très cher Mistogon, oui, je veux partir en quête de... de ce qu'il faut. Oh putain! Il y a le Zelef avec nous, là. Ça promet. Zelef, comment ça va? T'es vraiment beaucoup trop stylé. Bon, allons-y avec notre bâton. Là. Qu'est-ce qu'on vient foutre, là? Ceci est une bonne question. Qu'est-ce qu'on vient foutre dans cette vieille zone alors qu'on est censé être aide? Et voilà, la petite boule de poil. Oula, ou ZRF. Continue. Hein? Ah! On aurait pris... C'est qui qu'on a avec nous, là? C'est Lissana? Ouais. En fait, on l'a fait disparaître. Attends. Désolé. Et t'es où? C'est un gosse! Oula! Ça, c'est la technique qu'il a fait contre l'Akasasu, il me semble. Martin. Voilà. Bête. Putain, mais c'est pas. Coréa. On y continue notre petite aventure. On y va. Tranquille, tranquille. Bon, au passage, si vous suivez mon actualité sur Twitter, j'avais dit une petite critique sur Naruto Revolution. Donc, le prochain let's play donc, de cette chaîne YouTube. Donc, le mode histoire.
honnêtement, c'est de la grosse merde. J'ai même hésité à en faire le let's play, franchement. Car tout simplement... Oula. On va se calmer un peu. Car tout simplement, en fait, c'est un mode histoire, mais ça va durer environ... ça va durer 3 épisodes. Voilà. Ça va durer 3 épisodes. Et du coup... je ferai une quatrième vidéo pour présenter le mode comment ça s'appelle, le mode tournoi, des nouveautés du jeu à peu près, et c'est tout. Donc ça va vraiment être un let's play, voilà, fait 2 semaines, c'est fini quoi. Donc du coup il y aura un nouveau let's play ensuite qui suivra, qui sortira le let's play le 19 ou le 20 septembre, si vous savez ce qui sort ce jour là. Vous savez le let's play, sinon je vous dis rien, vous découvrirez le jour où, enfin le jour J plutôt, on va dire ça comme ça. Elfman qui se bat tout seul contre eux. Mugen, c'est des, je rêve, les petites poules comme ça elles résistent plus que les espèces de bestioles là. Et voilà. Donc visiblement il n'y a rien par là, donc on va retourner par là-bas. Donc Firtel, franchement je commence, on va dire je commence, t'es sérieux toi, on va dire que je commence à m'y habituer et je commence à vraiment y prendre goût en fait à ce jeu vidéo, parce que du coup, en let's play, je l'apprécie vraiment, car tout simplement je change tout le temps à peu près de personnage, ça fait des autres gameplay, je vois que vous appréciez, ça me fait vraiment plaisir, puis voilà. Je pense que c'est un des let's play que je prends, un des let's play où c'est que je suis en train de prendre le plus de plaisir à le faire. Puis vu que vous aimez aussi, ça me fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert en bas de la vidéo, maintenant ça a changé, YouTube, faut cliquer sur le pouce vert pour que ça mette le j'aime. Donc voilà, avant il fallait cliquer sur l'aime, maintenant vous cliquez sur... Teikyora. Le pauvre dragon, il a même pas le temps de redescendre. Par contre, j'aimerais bien savoir ce que c'est que ce truc. Rien, c'est pas ça. Peut-être un bug, je sais pas. Allez, on va continuer notre route. Donc comme je vous l'avais dit, évidemment, les quêtes maintenant sont plus longues, donc il y aura 2 voire 3 quêtes par épisode maintenant. Bon, ce qui fait... Attends, ouf ! Ah, ça c'est du boss, ça, hein, ça c'est... On ne rigole plus, hein. Mugen dans la queue. Oula, il a pas mal de vie en plus, hein, je vois que sa vie... Voilà, elle descend beaucoup moins vite que d'habitude. Oh. Bon, pas vraiment encore vraiment de la difficulté au niveau des boss pour l'instant, car je vous l'ai dit, on a quand même des persos assez badass, hein, honnêtement. Donc ça doit être une quête, on va dire, hors série du... de l'arc et de là, c'est évidemment, parce que vous avez jamais vu ça. Oula, ça fait mal à la vie quand même. Vous avez on a jamais vu de bestiole comme ça. Ah, et de là, c'est tout simplement. Oh, tu te calmes, tu laisses Lissan à toi. Non, tu me dis ça, non. Bon, allez, bientôt la moitié de la vie enlevée. Oula. Ah, Elfman aussi il est mort. Il n'y a plus que Zedef. C'est toi le vrai Zedef. Donc résiste et aide-moi à tuer cette chose là. Que je ne sais pas vraiment ce que c'est. Ma vie. Jésus. Non, c'est pas là. C'est où? C'est pas où? Oh, c'est là. Voilà. Tu laisses des rêves tranquilles. Ça va pas le faire sinon. Moi je te tape.
ce boss est extrêmement fort. Il est extrêmement badass de la mort, je dirais même. Pour être trop honnête, pendant que je songe à racheter des potions. Ah, donc là, il y a Elfman qui s'est réveillé. Non, toi, tu... On se calme. Ah, voilà, il y a deux persos qui sont revenus. On va se calmer, j'ai dit. Voilà, attaque Elfman pendant que moi je te tape par derrière, là, qu'on a vu. Il fait mal, le gros. Donc après, au niveau des combos, ben c'est comme beaucoup de jeux, on va dire. Il y a beaucoup de persos, mais au niveau des combos, genre les persos principaux ont pas mal de combos, mais dès que ça part dans les autres persos, ça commence un peu à se limiter. Il faut que Zeref se réveille, par contre, là, parce que... Hop là. Oula, non, tu te retournes pas vers moi, le poisson. Oula, il y en a... Oh là, tiens. Oh mon dieu. Je me suis pris un coup vraiment affreux. Fatal. Ce coup qui one-shot. Qui one-shot vraiment beaucoup. Et que du coup, on va tout esquiver, puis on va y aller direct. T'es malade, toi. Calme-toi. Pourquoi tu te prends? Voilà. On continue. On va monter un peu plus haut. Salut, ça va? Tranquille, Easy Money? Ouais, moi aussi, ok. Zeref, laisse-les tranquilles. Ils t'ont rien fait, enfin, pour l'instant. Nous, on doit rebattre ce truc-là. Ah, il y en a strike. Oh, tout non. Je suppose que le but de la mission, c'est de le battre. Hein. Donc, à mon avis, quand on l'aura battu, la quête va se terminer. Bah, tout non. T'es la prêchire, Elfman. Lève-toi. Il est bientôt mort. Viens ici. Allez. Avec moi, Zeref. Il lui reste plus grand chose. Zeref, renaissez. Tape-le. Vite, on va enchaîner les Mugen Nanaku. C'est la fin. Voilà. Voilà, donc la quête, c'était bien évidemment de tuer ce gros monstre là. Ce qui a pris une bonne partie de la vidéo. Donc à mon avis, on fera que deux missions du coup. Parce que du coup, il se trouve que ce monstre nous a pris 15 minutes de vidéo. Enfin, à peu près 15 minutes. Ce qui est quand même, on va dire, assez, voilà. Ouais, bref, vous m'avez compris. Happy dessus. Allez hop, c'est parti pour une autre mission. Non, pas encore maintenant. Donc voilà, donc quête à 3000, donc logiquement ce sera un tout petit peu moins difficile. Oui, je veux cette quête. Et on y va. Donc, est-ce que ça va être... Ah, j'ai l'impression qu'on va se diriger vers notre but, qui est Edolas. Ah oui, apparemment. Charlotte. Est-ce que le jeu bizarre, c'était dans... chez moi? Ou c'était... Ouais, en fait, c'est dans le jeu, je crois. Jododa. Donc ça, c'est pour repartir. Sauf que nous, on fonce dans le tas. On est des malades. Erza Nightwalker.
Il en faut se battre contre direct là. Mugen dans la queue. Hop là. Viens ici. Hop là. Elle est stylée quand même. Hein. Enfin, perso, moi j'aime mieux Erza Nightwalker que Erza normal. Enfin, après, c'est mon avis. Hein. Chacun son avis. Ne vous inquiétez pas. Ne vous battez pas avec moi. Donc, au final, on sera tapé de boss hein, dans cette vidéo. J'ai pas envie de le dire, mais. Bon, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup moins forte que le monstre de tout à l'heure quand même. Hein. Parce que, enfin, là, on est. J'ai pas envie de dire qu'on a 15 dessus. Et presque, à pas prendre. Voilà, je suppose que vous avez compris, à ne pas prendre de niveau pervers, on est tous dessus, si vous voyez ce que je veux dire. Tac tac tac, on y va tous. Allez. On se calme. Tu viens ici. Erza Nightwalker. Allez hop, viens ici. Arrête de bouger tout le temps. De toute façon, tu sais très bien que tu vas mourir. T'as pas battu encore un seul d'entre nous et t'as perdu un quart de ta vie. Donc pour le prochain épisode, bah, je sais pas vraiment qui je vais prendre. On va peut-être reprendre Erza. Nous, on va prendre Erza Nightwalker. Je pense. Là. Ici. Oh. Est-ce qu'il y a des techniques parce que... Ah voilà! J'ai trouvé comment on verrouille le perso! Vraiment? Ce sera beaucoup mieux là. Du coup. Du coup là, ce sera vraiment beaucoup mieux pour affronter les boss, ça quand même. Oh Zeref là, tu t'es pris une attaque hein, pleine dans la face. Ici. Excalibur. Allez. On se calme. Allez hop là. Bon, la moitié de la vie, ça c'est fait. Oula, tu vas commencer un peu à m'énerver là parce que tu te calmes. Hein, tu restes dans ton coin, je vais toujours fuir. Non, moi j'esquive ta vieille lance là. Ah, tu vas mourir. À quoi ça sert de tout esquiver tout le temps comme ça là. Hop là. Ouh, dans ta tête, en plein dingue. Voilà. Sans moi c'est fait. Viens ici. Oula. Il y en a un qui a pris cher. Pourtant on a 15 dessus hein. C'est un truc de fou mais elle résiste bien. Voilà, continuons de la frapper. Oula. Hop là. J'ai zéré que tu meurs. On va pas être copain. Hop là. Je pense que ensuite, enfin par la suite, on va essayer de se faire une bonne équipe de perso. Genre là, on a vu qu'en deuxième, on avait Zeref, donc je pense qu'on va le garder. Et du coup, ce qu'on fera... Elle est où? Merde, je sais même pas comment j'ai fait pour subir, voilà. Ah donc je disais, je pense que du coup,
pour le prochain épisode. Déjà, on gardera Zeref, vu qu'il est quand même un peu reconnu pour être puissant. Bon, on se calme Explosion. Hein. Et puis, ouais, puis du coup, on verra pour avoir des autres persos assez puissants. Donc là, elle commence à plus avoir de vie, donc elle commence vraiment à faire des attaques qui font mal. Voilà, on se calme. Ah d'accord, elle en enchaîne plusieurs. Aïe aïe aïe, ma vie, Jésus Christ. Donc une à moi, une à, je sais pas, zéro. Je sais pas ce que j'ai fait. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là, je suis en mode éveillé, pas... Ouloulou. Je sens que mon perso il est pas content là. Oula, j'ai fait max de dégâts, pourquoi, je ne sais pas. Moi, avoir fait max de dégâts. On se calme. De toute façon, t'es bientôt morte, donc t'arrêtes de faire un meuf là. Tu viens ici. En fait, je sais pas qui on prendra. On va peut-être pas prendre Erza Nightwalker pour tout de suite. On prendra peut-être dans le troisième arc. Parce que du coup, ouais. On verra pendant le troisième arc, ce sera mieux. Non, tu arrêtes, c'est fini. T'es morte. Voilà. T'es morte. Ah bah voilà, on va prendre Juvia, tout simplement. On prendra Juvia. Et donc voilà, donc du coup on a pu faire que deux missions pour cet épisode. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre, comme d'habitude, un petit pouce vert, à vous abonner sur Twitter et Facebook. Et puis voilà, donc moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Pour une prochaine vidéo. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Otodes. Donc là je sais pas vraiment ce qu'ils ont dit. Missy Pagre. Donc voilà, donc en tout cas, voilà, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss.